Eh bien, salut à tous les amis, c'est la Simulation Normande et bienvenue sur ce nouvel épisode de 100% Massé. Pour aujourd'hui, l'épandage de fumier, on se retrouve juste après l'intro et c'est parti! Donc on est tout de suite parti les amis avec notre magnifique Massey et notre répandeur Gyrax. Donc après 2 semaines sans vidéo, donc vous m'excuserez de ça, c'est parce que j'avais pas vraiment le temps, ni l'envie, enfin surtout pas le temps. Surtout pas le temps. Malheureusement, ouh, ça raide à monter. Mais on est reparti, c'est peut-être le dernier épisode, enfin plutôt l'avant-dernier, parce que je vais essayer d'en faire un sur les cochons, vu que je l'ai toujours pas fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est épandage de fumier, comme vous l'avez vu. Enfin chargement et épandage. Donc on va se faire ça tranquillement. Voilà. Donc j'espère que la vidéo d'ensilage que j'ai sortie vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu de la tourner parce que c'était vraiment super. C'était la première année que je montais dans une ensileuse, enfin que je faisais de l'ensilage avec quelqu'un. Et c'était vraiment super, donc toujours avec le même agriculteur, sauf que bon l'ensileuse c'était pas lui, c'est quelqu'un qui l'a fait. Donc voilà, une ensileuse Krone, si vous avez vu la vidéo. Si vous l'avez pas vu, bah n'hésitez pas à aller la voir, parce que je la trouve plutôt pas mal. Après en même temps c'est ma vidéo, je vais pas dire que ma vidéo est nulle, enfin quoi que. Il y a certaines vidéos que je pourrais dire que oui. Mais bon. Donc voilà. La prochaine vidéo IRL qui arrive, c'est une vidéo déchômage avec un New Land. Enfin je sais pas encore en fait l'ordre. Parce que j'en ai une autre d'arrachage de betterave à sortir aussi. Mais je pense que je vais sortir l'arrachage de betterave avant parce que c'est quand même un peu plus le sens que ça fait un moment que je l'ai en stock la vidéo d'arrachage de betterave. Donc je vais bien voir, mais normalement ça va sortir je pense mardi ou mercredi. Par contre j'arrive pas à prendre ça. Ouais, donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Parce que bon, je pense qu'elle est plutôt pas mal. En plus, la vidéo de betterave, j'ai pu monter dans la machine. Donc vraiment, ça va être une vidéo plutôt sympathique. En tout cas, voilà. Bon, je suis de retour après 2 semaines. Donc, je pense que c'est l'avant-dernier épisode sur cette map. Après, bah, il y aura peut-être plus trop de vidéos sur farming, peut-être plus du tout. Jusqu'à la sortie de la nouvelle map de Black Sheep, donc je sais pas du tout quand elle sort. À part s'il y a une autre map vraiment bien qui sort entre deux, mais sinon ce sera la map de Black Sheep. Il y aura une série sur cette map. Parce que enfin il est en train de bosser dessus là pour ceux qui savent pas. Black Sheep va sortir la nouvelle map, mais bon, je pense que vous savez avec tout ce qu'il met sur Facebook et tout. Donc voilà. Donc ça s'appellera The Valley of the Old Farm. Enfin mon anglais est complètement dégueulasse. En français ça donne la vallée de la vieille ferme. C'est le même style comme stream map hein. C'est un peu à sa marque de fabrique, ce genre de map. Donc voilà. En tout cas moi j'attends cette map avec impatience parce qu'elle est quand même bah, beaucoup plus grande que Old Stream Map. Old Stream Map elle fait quoi un cinquième de la map. Enfin du PDA quoi. Alors que celle-là bah remplit tout le PDA donc. Oula, j'ai pas mis le vrai main. En même temps si je tape dans la roue. Oh merde. Excusez-moi pour le gros mot. Eh, te barre pas. Tu restes là. On va perdre le tracteur tout à l'heure. Putain, il continue de dévaler. Eh, où est-ce que tu t'en vas toi? Reste là, tu remontes.
Voilà. Ça commence bien. Oh bah bordel, bon tant pis. Il va descendre pieds tout. Pourtant, il n'y a pas 37 de grade pour de pente, hein. Enfin, oh quoi que, un peu quand même. Hop, on va se mettre sur le côté, l'éloigner pour pas qu'il prenne du fumée vers la tronche. Surtout que c'est un sans cabine, alors là, il boufferait. Hop. On va monter dans le massé, espérant qu'il vole pas. La remorque à plein en plus. Ah oui. Hop, t'es là. Alors il est pas sur combien de mètres, très bonne question, je sais pas. Pas grave, on va y aller au feeling. Et bah écoute, on a l'air plutôt pas mal. Et il est pas en large hein, quand même. Il est pas en large. Et ça fait du bien un peu dépendre avec ce petit épandeur, il va vachement sympa. Hop, on a écrasé les cultures du voisin, c'est pas grave. Tiens. Et là qu'il a pas un grand champ, alors. Si on y pourrit toutes ces cultures, ça va pas le faire. Hop, un peu de fumier sur l'antenne. Bon, on va faire demi-tour direct. Voilà, on va pas se faire chier, on a foutu plein sur le mur de la maison. C'est nickel. On leur fait la peinture de la baraque. Il avait rien demandé, mais. Hop, un petit coup chez le voisin, même pas. Assis un peu. Tiens, le voisin, je te rends un peu de culture. Bon, je te rembourse ce que je t'ai écrasé. Ah, dommage, je vais pas tout prendre là. Bon, c'est pas grave, on va pas chipoter pour ce qui reste. Hop, le prochain champ, donc c'est champ 16. Ou 15, le 15, il n'y en a pas dedans. Si, je crois. Oula. Je monte à talus. Enfin, à poteau plutôt. Alors, en tout cas, je tenais à vous remercier aussi. J'ai pas enfin passé le cap des 70 abonnés. Ça fait vraiment plaisir parce que ça faisait un moment que j'étais bloqué à 60, entre 68 et 69. Enfin, entre plutôt 65 et 69, ça me fait vraiment plaisir. Je suis super content. Je pense que je vais en avoir assez pour les pendre aussi. Ouais, ça le fait largement. Ça en use pas beaucoup. Mais en tout cas, je suis vraiment content parce que ça fait plaisir. Bon, c'est que 70 abonnés, vous me direz, mais c'est déjà un bon début. Même si ça fait un an et demi que j'ai lancé la chaîne. Déjà, putain, c'est pas de suite. Ça fait quand même plaisir. Moi, je m'en fous, je fais pas ça pour les abonnés. Bon, ça fait toujours plaisir, mais je fais pas ça pour les abonnés. Avant tout, j'ai lancé ma chaîne pour m'amuser parce que c'était marrant. Puis surtout que mes potes avaient lancé des chaînes. Puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire comme eux. Puis ça m'a plu, donc j'ai continué. Donc voilà. Oui, bah c'est bon, on va en avoir peut-être pas assez. Hein. On fera peut-être pas de milieu. Bon, déjà celui-là il devait pas être répandu à la base, et là il en a eu dedans. Sur ce coup-là, on va pas se plaindre. Hop. Allez, braque. On va essayer d'en épandre le maximum. Si on remplit pas tout, c'est pas grave. Voilà. Bon, il en manque un sacré carré, mais bon, c'est pas grave. S'il en reste, on retournera dans ce champ-là. Après, j'en ai mis dans quel champ? Bah déjà le champ 16, bah on va y aller d'ailleurs. On va y aller de suite. Bon, c'est pas grave, on n'a pas le droit de tourner là, mais on s'en fout. On connaît bien le gars de la copée, on va dire ça comme ça. Hop. Ouais, on va continuer de descendre. Faut que je tourne. Hop, et là. On va ramener le chargeur.
le charge. Hop, la voiture. Heureusement qu'on s'est pas croisé sur le pont parce que je suis pas sûr que ça serait passé parce que il a les roues sacrément larges le machin. Je vous avoue, j'ai eu peur au poteau là. Le poteau à côté là, oh, fou. J'ai vu de près. Hop, t'es là. Je freine. Hop, on va prendre l'autre. Allez, viens avec nous, toi. Ça. On va pas rouler dans le fumier, on va passer ici. Ça passe, hein. Ouais. Oula. Fais du wheeling, le tracteur. On est parti. Ils ont quand même sacrément la pêche, ces massés, là, tout. C'est peut-être pas trop réaliste, hein, parce que je m'étonnerais qu'un vieux massé comme ça... Oula. Bah surtout si je me plante dans les barbelés, va moins avoir la pêche d'un seul coup. Heureusement qu'il n'y a pas les dégâts, sinon j'aurais plus de pneus. Hop là. Heureusement que il n'y a pas les dégâts avec moi, parce que c'est pas un pneu que je... c'est pas qu'un pneu que j'aurais arraché, c'est des tracteurs entiers que j'aurais explosé. C'est... bourrin comme je suis, il y aurait déjà plus rien. Je ferais faillite à chaque fois, même en cheatant, je ferais faillite. C'est... Oula, pas se payer le poteau. Et dit je conduis comme un pied aujourd'hui. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de farming. Bah ça fait pas si longtemps que ça fait 2 semaines. Ça se voit quand même. Hop, retourner, mettre clignotant. Ah c'est vraiment dommage quand même qu'il n'y a pas le clignotant à l'intérieur qui clignote. Malheureusement. Mais je crois que sur PC c'est pareil malheureusement aussi pour vous. À part sur les bons modes. Les mecs ont rajouté mais. Mais bon. C'est pas grave. De toute façon c'est pas notre sujet. Mais pour l'instant on est encore sur PS4. Encore pour 6 mois. Malheureusement. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment très hâte. J'attends avec impatience mon PC. Mais je vous dis ça. Au début il va prendre cher. Ça. Je vais le faire monter dans les tours. Ça va faire un radiateur dans ma chambre le bordel. Hop. Bah écoutez, ça charge plutôt bien ça. Ça se charge tranquillement. Normalement il y en a deux bennes là-dedans. Donc, il y a deux épandeurs. Quoi. On va avoir un épandeur de 15 tonnes et un autre de 12. Parce que l'épandeur là il fait 15 et puis la benne elle faisait 14. Un épandeur de 13 plutôt. Non de 12. Bon on s'en fout, c'est pas grave, on verra bien. On verra bien quand on y sera. Pour l'instant on a même pas encore fini de charger le premier. Donc. Hop. Allez, charge-moi ça. Nickel. Si je tape dans les power, ça va pas bien aller par contre. Hop. On va se mettre un peu en vue intérieure. Ça. Hop, t'es là. J'ai l'impression que je charge... Oula. Mais j'ai parlé un peu vite. J'allais dire que j'ai l'impression que je charge mieux en vue intérieure qu'extérieure. Hop, on va éviter de pas tout foutre par terre. Hop, et là, on va commencer à épandre. Allez, démarre. C'est parti. On va éviter d'arroser le tas de fumier. Ça nous servirait pas à grand chose. Mais écoutez, ça s'épand plutôt bien. Je pense que ça va le faire.
Je sais même pas si on veut user deux épandeurs là-dedans. Oh, je sais pas. Un épandeur ennemi, ça c'est sûr et certain. Bah déjà, un épandeur, ça c'est encore plus sûr. Parce que dans l'autre champ, on avait utilisé... enfin, avec les deux champs qu'on a fait. Enfin, pas entier d'ailleurs. Mais celui-là est plus grand que les deux qu'on a fait. Donc, un épandeur, c'est sûr et certain. Mais deux entiers, je sais pas. On verra bien. Non, par contre, je fais un détourage. Je suis pas très foutu. Mais c'est pas grave. De toute façon, on est dans farming, hein. On va pas se prendre la tête. On n'est pas en vrai. Ah, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Ouf. Ça va le faire, ça va nous faire une vidéo de 20-25 minutes. Je pense. Ah, ça se vide vite hein, quand même. Vous me direz, on a des tourages quand même, j'en ai déjà avalé pas mal hein, du champ. Hop, on va essayer de pas taper le tracteur. On va se mettre un peu en l'intérieur, tiens. Hop. Est-ce que j'ai pas correctement? Oui. J'avais un doute. Mais c'est bon. Il est vraiment beau cet épandeur quand même. Le girax, sinon. Oh, il y a des trous partout dans le champ. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est dans l'épisode 1 qu'on avait semé, non? Je sais plus du tout. En tout cas, il y avait plein de trous. Le semoir, il faisait que de sauter. Mais attendez, au pire, je vais vous dire ça. J'ai le PC juste à côté. Ouais, c'est l'épisode 1 où on avait semé. Ça fait déjà 2 mois qu'on a entamé la série. Enfin déjà, ouais, déjà si on veut, 10 épisodes en 2 mois, ça va. C'est même plutôt pas mal. Bon, il y a quelques moments où j'étais absent, mais... enfin j'étais inactif plutôt. Ah ouais, on n'utilisera pas 2 épandeurs là-dessus, ça m'étonnerait. Parce qu'il n'en reste pas énorme. Allez, on finit pas la ligne. J'allais dire allez, on finit la ligne, mais non. C'est pas grave, on va rouler dans le fumier. Encore une fois, on est dans farming. On va se prendre la tête. Si on est là pour se prendre la tête, ça sert à rien. Hop. Tac. Je sais même pas pourquoi j'ai éteint le moteur, ça sert à rien. Parce que je vais le redémarrer dans 2 minutes. Hop. Il faudrait vraiment qu'ils rajoutent, mais à mon avis ils le feront plus maintenant, mais qu'ils rajoutent la sensibilité du bras du véhicule comme sur FS15, on se dit. Sur, avec la manette c'est pas rapide. Le temps que ça prend à baisser. C'est vraiment... Hop. Mais bon. Du coup on s'adapte, hein. On lève et on baisse pendant qu'on roule. Le temps qu'il met le truc. Attends, j'ai eu le temps de faire mon aller-retour et j'étais pas encore descendu à fond. Hop. On charge comme des bourrins. On rentre dans le tol. Blah. Merde, j'ai pété le godis. Bah écoutez, ça se charge pas mal ça. Hop, on va racler au bord. Il reste quand même pas mal à terre. C'est ça qui est un peu irréaliste dans farming. Parce que là, il y a un godet par terre en vrai. Hein. Là, je vais en faire au moins 2 ou 3 dedans. Enfin, peut-être pas 3, mais. Je vais en faire plus que ce qu'il n'en reste. On va ramasser ce qu'il y a là. Hop. Je regardais parce que j'entendais un espèce de bruit de tracteur derrière, enfin devant chez moi, mais il y a rien. Il est peut-être déjà passé puis j'ai pas vu. C'est bien possible. Ouais.
On va éviter d'en foutre partout. Calme-toi. Tracteur est un peu trop nerveux. Puis comme ma manette a déconné un peu, parce qu'elle est légèrement pétée. Là, c'est la touche R2, les ressorts à l'intérieur sont morts. Je voulais essayer de les changer, mais je sais pas comment on fait, puis j'ai peur de pas savoir le faire. Enfin, j'ai peur que ma manette, je puisse l'utiliser après, parce que je l'ai mal fait, ou un truc comme ça. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça. Si ça s'aggrave, je le changerai. Mais... par contre, ça, c'est un peu buggé. Il y a encore les textures debout, alors que le tracteur est arrêté. Sur l'épandeur, et puis sur le tracteur de l'épandeur. C'est un peu con ça. Hop, on le met en roulis. Regardez, il y a encore les textures de la terre qui s'affichent. Je sais pas pourquoi. Hop, allez, on va aller finir le champ. Et il a eu du mal à démarrer. Il a eu du mal à décoller. Ça se voit qu'il y a du gros cul. Hein. En même temps, 12 tonnes pour un quoi, un 100 combien de chevaux déjà ça fait ça. Il fait 95 ou 115, un truc comme ça. Hop, on va la remettre ici. Bon, on dépense ça à l'arrache, hein. En vrai ils font pas tellement mieux non plus. C'est pas au millimètre près, hein, de toute façon. Ça va s'infiltrer dans la terre et puis... enfin, en tout cas, en vrai, ça va s'infiltrer dans la terre, puis il y en aura partout. Hop, et là. Va y en avoir assez pour faire un comment dire, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, pour finir le champ 15. Mais je croyais en avoir mis... oula. Je croyais en avoir mis dans un autre champ, mais soit je me souviens plus, ou je sais pas. Je sais pas trop. Non, je sais pas. Très bonne question. C'est pas grave. Bon, le chargeur, on va le laisser là. Tiens, hop, on va l'arroser un coup. Tiens, t'as soif? Enfin, t'as faim plutôt. Tous les morceaux de fumier. Allez, monte. En train de me faire gaspiller du fumier. On va aller finir ce champ là, puis ce sera bien pour aujourd'hui les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les vidéos farming sur cette série vous plaisent et que cette série vous aura plu aussi, puisque elle va bientôt se terminer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série en commentaire. Si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, et si ça vous a pas plu, bah, qu'est-ce qui vous a pas plu pour que je puisse l'améliorer. Hop, et là. Ouais, non, le champ 15, il est là. Bon, c'est pas grave, on va passer à ta vie. Oh là 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 là. S'il y a des agriculteurs qui me voient faire ça, bah alors là, je vais me faire frapper sur les doigts. Et il saute avec sa tracteur. Hop, et voilà, hop, on va finir ça. On va se prendre un petit screen pour la miniature après. Tac, là on enlève ça. Hop, et voilà. On va se refaire une passée comme ça. On fait ça un peu à la va-vite. Voilà. On a nos screens. On a fini notre champ. Et bien en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'exploser la barre des likes. Même si bon, à chaque fois j'ai quasiment jamais de dislike. Enfin peut-être un ou deux de temps en temps. Mais de toute façon je m'en fous parce que les likes et les dislikes YouTube fait pas la différence et met ça comme une réaction et met la vidéo en avant. Bon,
C'est tout trop dur, beaucoup trop longtemps. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu. Dernier épisode de jeudi, normalement. Et moi, je vous dis à jeudi et bye tout le monde.